Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes actuellement dimanche matin et quoi de mieux à faire que le sapin de Noël. Partageons donc ce petit moment cocooning et tranquille ensemble, mais juste avant, tadam ! Là, je pense vraiment qu'on est dans l'ambiance, on peut donc désormais commencer la vidéo. J'ai ressorti toutes mes décorations, mais pas que, puisque j'en ai acheté des nouvelles, je vais vous les montrer tout de suite. Les couleurs de cette année, comme vous le voyez, ça va être du vert, du bronze, du doré avec des petites touches de rouge. Je vais encore m'amuser à faire passer le fil pour les accrocher. Ça va être encore une partie de patience que je ne maîtrise pas. Toujours avec les petites boules de Noël, on a pris celle-ci. Donc celle-ci, elle est plutôt bronze. On a la dorée. Hop, la voilà, elle est super jolie. Et du coup, la troisième, forcément, c'est la verte. Hop. La verte, elle est magnifique. Donc voilà un petit peu pour les nouveautés. On va pouvoir commencer la décoration. C'est parti! Je vais le poser sur la petite table qu'il y a ici. Et ma petite technique pour faire tenir la table, parce que sinon elle bascule très facilement, c'est mettre mes poids de sport. Donc c'est à dire que jusqu'en janvier prochain je ne fais plus de sport. C'est dommage. Ça y est, j'ai la panoplie complète. Avant de commencer la décoration, je vais faire les petites attaches des nouvelles boules. J'ai acheté ça, donc c'est des petits crochets qui vont être 10 fois plus faciles à mettre que ces petits fils-là. Je l'ai acheté chez Action si jamais ça peut vous intéresser. Vraiment hyper pratique, je vous le conseille. Le seul souci, c'est que en fait je m'en suis retrouvée pleine de cassés. C'est un petit peu dommage, mais ça n'enlève pas la praticité, on va pas se mentir. Bon, j'ai essayé de faire un petit peu la déco de mon meuble télé, mais j'arrive pas à voir ce que je veux. Donc là, je pense que c'est nécessaire, je vais faire une petite pause. On est carrément bien plus tard dans l'après-midi.
J'ai été faire mon petit tour du coup chez Jiffy. J'ai acheté 2-3 petites choses. Déjà je voulais racheter un petit peu de papier rocher. Il est vous savez avec un petit peu la fausse herbe qu'il y a déjà dans la crèche. Donc je me dis que ça peut être pas mal. Et du coup pour la crèche j'ai racheté une petite guirlande comme ça qui fonctionne à pile pour pouvoir mettre dans la crèche. Parce que en fait la guirlande que j'ai qui est dans la bassine là, elle va pas trop. J'aime bien que la crèche soit éclairée mais... ça allait pas du tout dedans. Donc là je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose plutôt avec ça. Je me suis racheté une étoile. J'ai trouvé celle que je voulais. Donc du coup une en doré. Comme ça ça va aller avec la nouvelle décoration. En plus j'ai acheté une suspension à mettre. En fait on n'a pas de lustre au salon. Et du coup on a encore le petit crochet qui est sur l'ampoule. Donc du coup en fait avant on avait un gros flocon. Mais du coup il est blanc. Et nos murs sont extrêmement blancs aussi. Et en fait ça ressort pas du tout. Donc je pense que je vais le mettre plutôt dans le bureau. Puisque le bureau est à dominance noir et bois. Je pense que ça peut passer. Et du coup j'ai acheté une grosse étoile que j'ai mise dehors. Elle est pleine de paillettes. Il faut que je la laque avant de pouvoir la mettre. Sinon il va pleuvoir des paillettes dans la maison. Voilà un petit peu l'étoile. La fameuse boîte à chaussures, si vous avez déjà suivi une vidéo décoration de Noël, vous comprenez. Bon, changement de plan. Le papier qu'on a acheté juste avant... ça va pas du tout, il est pas beau, en plus il pue, et c'est franchement c'est pas terrible. Donc en vrai, ben pour ma petite crèche, je sais pas trop quoi faire. Donc je vais la laisser poser comme ça en attendant de voir. Petit retour dans le temps pour cette conclusion. Écoutez, j'espère que cette vidéo et ce petit moment partagé ensemble vous a plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire toute cette décoration. J'aime me sentir bien chez moi. C'est vraiment ma période préférée de l'année. Donc j'espère que ça vous a plu également de votre côté. Si jamais c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et de vous abonner également. C'est complètement gratuit et ça m'offre un soutien juste incroyable. Donc n'hésitez pas. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao ciao !